Les grands fans de FNAF connaissent probablement l'aventure horrible derrière cette petite fille. Elle incarne une histoire sombre et terrifiante, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore son nom, je vous invite à plonger dans le mystère qui l'entoure. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire fascinante qui révèle les secrets les plus profonds de l'univers de Five Nights at Freddy's. Hey, salut! Juste un petit mot pour te dire que t'abonner à ma chaîne m'aiderait énormément. Je ne le demande pas très souvent, et c'est dommage car plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est la galère, alors s'il te plaît, ça m'aiderait énormément. Allez, je te laisse continuer la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Suzy et je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais vous laisser découvrir. Avant que la vidéo commence, bien sûr, quel animatronique fait ce son? Waouh, ok, c'est assez long mais je pense que vous avez une petite idée. Sans plus tarder, moi je vous laisse avec l'histoire de Suzy, c'est parti. L'histoire débute dans FNAF 6, où on aperçoit Suzy pour la première fois. Un jeu en 2D où elle est présentée comme une jeune fille joyeuse et insouciante. Le but étant de simplement récupérer des fruits dans un temps imparti. Suzy avait peu d'amis, mais ça a peu d'importance car son chien est la seule chose qui compte pour elle. Chaque jour, Suzy et son chien s'aventuraient dans un vaste champ qui s'étendait derrière leur maison. Là, ils retrouvaient refuge dans leur propre petit monde, loin des regards indiscrets et des jugements. Ensemble, ils jouaient pendant des heures, se poursuivant à travers les hautes herbes, riant et s'amusant comme des véritables amis peuvent le faire. Pour Suzy, ces moments étaient sacrés, des instants de pur bonheur où elle se sentait en paix avec le monde. Elle aurait pu passer des heures à simplement être avec son chien, à le regarder courir avec joie à travers le champ. Mais un matin, Suzy se réveilla pour découvrir que son compagnon à quatre pattes avait disparu, laissant un vide béant dans son cœur. Sa tristesse était palpable et son désespoir insurmontable. Elle savait au fond d'elle-même que quelque chose n'allait pas, que son chien était en danger, mais elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Déterminée à retrouver son ami perdu, Suzy se lança dans une quête désespérée, sa détermination brûlant comme un feu ardent dans ses yeux. Elle chercha partout, du lever au coucher du soleil, mais aucune trace de son chien bien-aimé ne fut trouvée. Suzy décide de se rendre au Freddy Fazbear Pizza, espérant trouver des indices sur la disparition de son chien. À l'intérieur, Suzy est attirée par un jeu d'arcade. L'arcade brillait et clignotait de mille feux, ce qui attisa sa curiosité. Alors qu'elle s'immerge dans le jeu, un homme mystérieux vêtu d'un costume de lapin jaune s'approche d'elle avec un regard glacial. Ses paroles empruntent des promesses trompeuses. « Ton chien est en vie », murmure-t-il à Suzy. « Viens, laisse-moi te montrer. » Suzy n'est qu'un enfant donc elle hésite, mais l'espoir brille dans son cœur brisé et sans se méfier du danger qui rôde, elle suit l'homme déguisé, ses pas résonnant dans les couloirs sombres du restaurant. Au fur et à mesure qu'il s'enfonce plus profondément dans les ténèbres, l'atmosphère devient de plus en plus oppressante. Le rire sinistre de l'homme résonne dans les murs, amplifiant l'angoisse qui terrifie Suzy. Elle commence enfin à réaliser que quelque chose ne tourne pas rond. Mais il est déjà trop tard pour faire demi-tour. Soudain, l'homme se retourne, son visage se déforme dans un rictus maléfique, et elle est tombée dans un piège tendu par l'infâme William Afton, le meurtrier de ces derniers jours. Son destin est scellé et son innocence est sur le point de disparaître par l'homme qui a écrasé son chien. Petit disclaimer, c'était le deuxième meurtre de William Afton. Un peu plus tard, Puppet s'occupa de l'âme de Suzy, dans l'unique but de la conserver. C'est alors qu'elle plaça Suzy dans un corps bionique d'animatronique, où elle finira alors son existence à l'intérieur de Chica. Le chien, lui, prena la place du cupcake, et Chica s'est juré une bonne fois pour toutes de ne jamais lâcher son cupcake. Ainsi, l'histoire
L'histoire de Suzy est une tragédie marquante de l'univers de Five Nights at Freddy's, illustrant la sombre réalité des actes impitoyables commis par William Afton et la manière dont ses victimes continuent à hanter les lieux où elles ont trouvé la mort. Vous vous en doutez, chaque petit animatronique a son histoire. Alors n'hésitez pas à me conseiller un animatronique pour une prochaine vidéo. Pour en revenir à Suzy, elle était blonde avec les yeux bleus. C'était vraiment une petite fille tout à fait ordinaire qui vivait une vie heureuse jusqu'à ce que William entre dans sa vie. Voilà les amis, c'était l'histoire de Suzy. C'est bel et bien l'enfant qui se trouve dans Chica et qui a vécu quelque chose d'horrible. Comme je viens de le dire, conseillez-moi un animatronique à vous raconter car je sens qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Sur ce, moi je vous laisse avec la conclusion de la vidéo. Bon et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai kiffé, franchement je la connaissais déjà mais ça m'a fait trop plaisir de la faire. On parle quand même ici des premiers meurtres de William Afton. Et tout le monde le sait que William Afton, après ses nombreux meurtres, il est devenu fou. Ce qui fait que voilà, il est devenu Springtrap et les autres versions de lui-même. Sur ce les amis, n'hésitez pas à me dire quel animatronique fait ce son. À liker, commenter, partager, à mettre la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, ce serait dommage. Et sur ce, votre capitaine vous laisse sur ça. Ciao!